Voilà, bonne arrivée à vous. Soyez salués depuis votre position. J'ai mis juste un petit moment de retard, quelques 4 minutes. Donc on a commencé véritablement à 20h04. Soyez salués, je me présente, je suis le général Modibo Goïta Djédjé Doboble Gbagbo Sankara Sékou Touré. Bonne arrivée à vous. Merci de partager. Partagez massivement. Je vous ai donné rendez-vous. Et encore une fois, je présente mes excuses à mon comité des sages, le comité des sages qui, comme on appelle, avait rendez-vous avec moi aujourd'hui. J'ai complètement zappé. Et donc, encore une fois, je présente mes excuses au comité des sages de ma section. On avait rendez-vous pour parler d'affaires nous concernant. Et il se trouve que j'ai mis mon rendez-vous d'aujourd'hui à 20h aussi avec vous. Donc, comme c'est un compte-rendu d'une situation, voilà, interne, j'ai préféré aller avec cette urgence. Voilà, il y a urgence ici. Il y a urgence. Et c'est ça aussi la politique. Voilà. Donc, il faut partager. Merci à vous d'être arrivé. Aujourd'hui, je vais pas être dans les salutations des uns et des autres. Je vous ai salué globalement. Voilà. Je vous ai salué tous ensemble. Et parce que je voudrais vraiment qu'on aille à l'essentiel. Mais tout ce que je vous demande, c'est de partager. Voilà. Partagez pendant qu'on y est, partagez. Envoyez cette vidéo partout, dans les groupes, dans les inbox, dans les WhatsApp, sur TikTok. Envoyez ça partout parce que les ennemis de notre combat sont là. Ils savent ce que j'ai mis. J'ai parlé de vie ou de mort. De vie ou de mort. Et comme j'ai parlé de vie ou de mort, et que j'ai parlé de Kidal, j'ai parlé d'un témoignage venant d'un commando ivoirien qui est sorti de Kidal. Vous-même, vous comprendrez que les ennemis qui ne veulent pas que la vérité soit dite, ces ennemis sont là et ils vont tout faire pour que ce direct-là soit cafoué. À vous qui me suivez, de faire partie cette vidéo partout. Commencez à partager plusieurs fois, pas une seule fois, mais plusieurs fois, parce que nous allons parler. Et appelez ici toutes ces autorités que j'ai citées. J'ai cité les autorités maliennes, j'ai cité les autorités ivoiriennes, j'ai cité les autorités françaises. Appelez-les. Dites-leur que le général Modibo Goïta les convoque. Parce que l'heure est grave. Et l'heure étant grave, il faut que tout le monde soit là, afin qu'on puisse parler. Il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas qu'on parle. Ils ont commencé sur mon poste à chercher à distraire les gens. À commencer à dire aux gens, non, toi tu es qui? Toi tu n'es rien. Ils parlent, ils viennent m'insulter. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Voilà, insultez-moi sur ce qui va se faire. Ne m'insultez pas sur une quelconque forme ou d'autres affaires qui n'ont rien à voir avec ce dont je veux parler. Voilà, parce que votre mensonge là, on veut mettre ça à nu, au risque de notre vie. Donc, chers parents, j'ai dit, il y a trop de sérieux dans ce que je vais dire, que je suis obligé de vous dire des choses en introduction, pour vous dire que nous prenons des risques, mais nous savons que l'Afrique doit se libérer. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, l'Afrique doit se libérer. Et comme l'Afrique doit se libérer, il faut que nous soyons les acteurs de la libération de l'Afrique. Tous ensemble, vous et moi, ensemble, unis, unis, nous allons réussir ce combat-là. Pourquoi je parle avec
un air grave. Parce que l'heure est grave. Alors, le commando qui est sorti de Kidal, je vous ai dit de partager, monter le mercure. Voilà, parce que ils sont là et ils ne veulent pas que ça avance. Donc faites avancer vous en partageant. Au fur et à mesure que je vais intervenir, il faut continuer à partager, il faut continuer à faire monter. Faut continuer, il faut continuer, il faut continuer. Pomper les cœurs, mettez beaucoup de cœurs. Voilà, embrouillez-les. Continuez à mettre des cœurs. Voilà. Donc, je sais que les autorités françaises, leurs renseignements généraux sont là. Donc, je vous salue, les renseignements généraux français qui est arrivé sur ce direct parce que vous avez attendu Kidal. Donc, vous êtes là et vous savez bien ce qui s'est passé à Kidal. Les autorités ivoiriennes, les envoyés d'Alassane Draman Ouattara, vous êtes là aussi. Je vous salue au passage. Soyez salués. Merci de suivre ce direct parce que vous savez ce qui s'est passé à Kidal. Les autorités maliennes, je vous salue. Hein? Je vous salue aussi parce que vous, vous êtes au courant aussi de ce qui s'est passé à Kidal. Seulement, c'est un plus à ce que vous savez déjà. Que je viens vous apporter cette nuit. On va aller dans le vif du sujet. Il s'agit d'un commando, mon cadet. Alors, mon cadet, je vais vous épargner tout ce qui s'est passé avant qu'on arrive à Kidal. Mais sachez seulement que il a été envoyé. Un bon jour, il était là. On l'a appelé, on lui a dit, je suis obligé de coder. Je suis obligé de coder un peu pour que vous puissiez comprendre. On l'envoie un message et on lui dit que il vient d'être recruté par la MINUSMA. La MINUSMA. Il vient d'être recruté par la MINUSMA. Et on l'envoie au Mali. Il était content. Il y a beaucoup qui souhaitent être embauchés, être sélectionnés par l'ONU dans chaque pays africain parce que c'est de Lausanne, c'est les caillis, c'est l'argent. Voilà, c'est le blé. Il y a beaucoup d'argent. Plus que ce que tu gagnes en tant que membre d'unité ou membre de ton corps d'armée. Mais en tout cas, tu gagnes plus. Et donc, beaucoup de soldats, beaucoup d'hommes en tenue, en armes, souhaiteraient travailler hein, avec les membres de l'ONU installés dans des pays. Souvenez-vous qu'il y a eu des gens qu'on a voulu envoyer au Mali, ou du moins qu'on a envoyés au Mali, qui ont été arrêtés. À l'aéroport, nous parlons des 40. Combien de soldats là? Si vous êtes là, écrivez avec moi. Voilà, je vais faire. On va échanger comme ça. Oui, mon élève. Aujourd'hui, je dis, je cite pas de nom, donc on avance. Si vous êtes avec moi, écrivez comme ça. On va avancer pas à pas. Doucement, doucement. Hein? Je vous ai donné rendez-vous, donc on va aller doucement, doucement. Il s'agit de Yaovi Cyril Kouassi dit, il s'agit des 49. Bon, j'ai cité un nom. Voilà, celui qui va écrire vite, il dit son nom. Les 49 soldats, comme on appelle, le ministre Choguel a appelé, il a appelé les mercenaires et que beaucoup ont relayé. Parce que c'est comme ça qu'on les a trouvés, attaqués mercenaires. Et du coup, tu es là. Voilà. Voilà pourquoi j'étais obligé d'être ici. Hein? Le responsable du comité des sages. Parce que il y a une information capitale que je dois livrer. Voilà. Donc, c'est comme ça que
On les a pris à l'aéroport, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Je vois que beaucoup ont écrit les noms, les 49, les 49. Et du coup, même à couper, couper, il dit 46 hommes et 3 femmes. Voilà, les 49. Alors, on les a pris et ils ont été auditionnés pour savoir pourquoi ils étaient là. Ils disent que c'est une rotation qui se fait. Il y a une rotation qui se faisait chaque 6 mois ou chaque année. Et qu'ils étaient à la 8e rotation, si je ne m'abuse. 8e rotation. Alors, le gouvernement malien, le gouvernement d'Assimi Goïta a dit que ce n'est pas clair. De la manière où vous êtes arrivé là, ce n'est pas clair. Et les gens ont commencé à crier au scandale. Alassane Dramane Ouattara est rentré dans tous ses états. Il a commencé à perdre le réseau. Il a commencé à devenir très nerveux. Mokhtar Diallo, il dit 8e rotation. Oui, ils ont dit 8e rotation. Il a commencé à devenir très nerveux. Alors, ce que je suis en train de dire, il faut que tous les monos de Côte d'Ivoire, l'armée ivoirienne, il faut que tous les monos sachent la vérité. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas avec nos armées. Il faut enlever ça dans votre tête. Nous avons toujours soutenu notre armée. Mais quand on prend des gens et que on les amène dans un territoire donné sans suivre, les procédures normales, il y a un problème. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si vous comprenez, mettez des cœurs encore. Je suis en train de parler doucement, doucement, pour que vous puissiez voir où je vais arriver, parce que je vais y arriver. C'est un peu, c'est doucement, doucement, petit à petit, procédure par procédure, que on déploie des hommes en armes dans un autre pays. Vous comprenez? Et donc, il y a des procédures. Même pour aller travailler dans une mission onusienne, il faut au préalable une formation. Il faut au préalable un recyclage et une formation pour t'adapter au contexte onusien. Parce que tu as ta manière d'agir quand tu es dans ton armée, quand tu es dans ton unité de corps d'armée, et quand tu es hors de ton unité, que tu dois travailler dans d'autres unités, et que ces unités-là sont internationales, c'est une unité onusienne qui a vocation à apporter de la paix. À jouer les gendarmes, il y a une autre formation que tu dois avoir avant d'y aller. Donc le jeune, mon cadet, qui ne savait pas où on l'envoyait, mais qui était heureux parce qu'on lui a dit qu'il s'en va dans MINUSMA au Mali. On lui a dit qu'il s'en va dans MINUSMA au Mali. Il était content parce qu'il y a l'argent. Son binôme lui a dit, de toute façon, ça y est, là, c'est pas clair. Parce qu'ils n'ont pas suivi les procédures. Et puis, on t'envoie un message à toi pour te dire que tu es recruté, tu as été retenu parmi ceux qu'ils vont envoyer là-bas, au Mali. Il a eu peur. Il a eu peur. Mais il s'est dit que son ami, là, est jaloux de lui. Il dit son binôme là, il est jaloux parce que lui on l'a pas pris. Et puis c'est on n'a pas pris son binôme et puis c'est lui on a pris. Donc il est jaloux. Est-ce que vous partagez le direct? On va arriver quelque part. Hein? Voilà. On va arriver quelque part. Est-ce que. Et pourquoi ils n'ont pas pris son ami? Donc il dit que son ami est jaloux de lui en lui parlant des procédures à suivre. Et puis on n'a pas suivi les procédures. Et puis lui, on le prend comme ça. Lui, il dit que son ami est jaloux de lui.
Finalement, ils s'en vont. Ils ont recruté dans l'armée de Côte d'Ivoire 300 personnes, 300 éléments qu'ils ont amenés au Mali. Quand ils sont partis au Mali, on les amène dans un camp, on les amène à Kidal. Moi, je n'ai pas fait le Mali. Donc, tous les Maliens qui sont ici, là, j'ai oublié de mettre mon numéro. J'ai oublié de mettre mon numéro parce que tous les Maliens, oui, Oddy Kwassi, Serge Gnakigbo, tous les Maliens qui sont ici, vous allez avec moi, hein, on va travailler ensemble. On va travailler ensemble. Donc, écoutez-moi et puis vous me dites rapidement que quelqu'un écrive ce que je ne comprends pas. Donc, on l'a amené à Kidal. Kidal est où? Kidal est dans le nord du Mali, dans le sud du Mali, à l'ouest du Mali, au centre du Mali. Kidal est où? Je vous laisse écrire. Mes parents maliens, Aya Sebe, écrivez, si c'est dans le nord, dites Kidal est au nord, Kidal est au sud, Kidal est à l'est, Kidal est à l'ouest. Écrivez, je veux voir ça. Mokhtar Diallo dit au nord du Mali. D'accord. Oumar Abdoul Moumine, il dit au nord du Mali. Zakaria Ouattara dit au nord du Mali. Ok. Et Youkou dit nord-est du Mali. Donc c'est au nord du Mali, vers la frontière de l'Algérie. Mokhtar Diallo. Ok. On l'amène à Kidal. Maintenant, comme j'ai dit, vous les Maliens, on va travailler ensemble parce que je suis un commando, hein. Je sais ce que je suis en train de faire. Donc écoutez-moi très bien et avançons parce que je suis venu vous dévoiler quelque chose. Donc allons-y. Le témoignage de mon élément, mon cadet, un commando plein plein. Donc au nord du Mali, on l'envoie au nord du Mali, à Kidal. Les militaires ivoiriens qui sont avec la MINUSMA se trouvent à Gao ou bien à Tombouctou. Dites-moi, quand on amène les soldats ivoiriens, les 800 que Ouattara a dit, il était fâché, il les a enlevés dans MINUSMA là, ils sont à quel endroit? Ils sont à Gao ou bien ils sont à Tombouctou? Une question. Encore, j'ai besoin des réponses. Pour que je continue. Ou bien ils sont à Kidal. Voilà. Les MINUSMA là, on les amène à Gaoua, on les amène à Kidalwa, ou bien on les amène à, comment on appelle, à Tombouctou. Oumar Abdoul, toi ton nom là aussi, Abdoul Mumin. Donc, on les amène à Gao. Oumar dit, on les amène à Gao. Oumar dit, ils sont à Gao. Moussa Diarra dit ils sont à Tombouctou. Donc qui dit vrai? Vous les Maliens là. Ou bien ils sont à Gao et puis ils sont à Tombouctou. Sont-ils à Gao, à Tombouctou ou à Kidal? J'attends vos réponses. On va travailler ensemble. Moussa Diarra dit Tombouctou. Il insiste sur Tombouctou. J'attends. Ils étaient à Tombouctou. Zakaria Ouattara dit à Tombouctou. Noumoudjou Koulibaly dit à Gao. Bon, Tombouctou, Gao, Tombouctou, Gao, ils étaient où au juste? Parce que tous ceux qui écrivent, tous ceux qui sont en train de répondre, je ne vois pas quelqu'un écrire Kidal dedans. Vous tous, vous écrivez Gao ou Tombouctou. Mais personne ne dit qu'ils étaient à Kidal. N'est-ce pas? Voilà. Je vais continuer. Je vais continuer. Donc, c'est Gao ou Tombouctou, mais pas à Kidal, n'est-ce pas? Si vous êtes d'accord avec ça, pompez les cœurs. Ils ne sont pas à Kidal.
Je vois pas les cœurs. Pomper les cœurs. Je dis, on est ensemble. On fait ensemble. Pomper les cœurs. Et puis, continuer de partager. Voilà. Donc, ils ne sont pas Kidal. Normalement, MINUSMA, les éléments de Côte d'Ivoire, les éléments des autres pays qui rentrent dans MINUSMA, on les envoie à Gao ou bien à Tombouctou. Alors, il y a dans les deux coins là, il y a un élément que l'élément, le jeune dont je parle, a appelé. Il a appelé pour lui dire, ah, j'ai été recruté dans les MINUSMA. J'ai été recruté dans les MINUSMA et que les MINUSMA m'ont envoyé à Kidal. Et le mono ivoirois, le militaire ivoirien, ivoirois, qui a reçu le coup de fil de son collègue, a dit, mais attends. Il a tiqué, il dit, mais attends. Au départ, il a dit, ah, tu as été recruté dans les MINUSMA. Bravo, félicitations. Donc, tu vas venir nous rejoindre ici à Tombouctou. Et l'élément lui a dit, c'est à Tombouctou. Donc, moi, il m'a dit Tombouctou. Donc, je cherchais à voir avec vous où on les a mis exactement. Où on les met quand les Ivoiriens vont là. Où on les met. Les militaires de Côte d'Ivoire, là, écoutez-moi, parce que c'est pour votre survie que je suis en train de parler. Je n'ai rien contre vous, vous le savez. Mais vous savez aussi que Alassane Dramane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire, n'est pas prêt pour vous. Il n'est pas prêt pour vous. Parce que celui qui a rendu ce témoignage, c'est un militaire, un commando plein plein, béret rouge, comme c'est mon cadet. Vous comprenez? Ce petit-là, ce qu'il a dit là, c'est pour vous sauver que je suis venu parler. Donc ouvrez bien vos oreilles et puis écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc, les 300 éléments recrutés là, on les a amenés à Kidal au lieu de les amener à Tombouctou. Et l'élément qu'il a appelé pour dire, ah, Mono, on m'a envoyé dans un MINUSMA, hein. Il dit, ah, mais Dieu merci, tu vas venir nous rejoindre ici à Tombouctou. Il a dit, mais je ne suis pas à Tombouctou, je suis à Kidal. Et le Mono lui a dit, mais attends, Kidal là, c'est une zone rebelle. Toi, tu fais quoi là-bas? Il dit, ah, mais c'est ici qu'on nous a envoyé. On nous a envoyé à Kidal. Voilà, Mokhtar Diallo dit, ils sont dans la ville de Kidal. Oui, il y a des militaires ivoiriens aussi qu'ils ont emmenés dans la ville de Kidal. Maintenant, étant à Kidal, les amis, pompez les cœurs, faites monter le mercure. Arrivons à 400 encore, montez, montez. Vous êtes 382, montons à 400. Parce que ça va sortir, ça va sortir. Donc, continuez de pomper les cœurs, continuez de partager, on va monter. Parce que la partie qui est intéressante là, dans le témoignage, arrive. Voilà. C'est une question de vie ou de mort, comme j'ai dit. Donc, je fais pas témoigner l'élément en question. Pour ne pas que, à travers son témoignage en direct, on puisse repérer où il se trouve. Voilà. Donc, il m'a confié le témoignage et c'est le témoignage que je souhaite vous donner. Mais c'est un témoignage très, 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 très important, non seulement pour les Maliens eux-mêmes, mais pour les militaires ivoiriens. Parce que on a envie d'avoir les caïds, on a envie d'avoir l'argent, beaucoup d'argent. On a envie d'avoir beaucoup d'argent. Donc, quand on nous parle de MINUSMA, on est heureux, on est content. Il faut continuer à monter. C'est comme ça que l'élément en question est étonné. Et puis, il dit, mais attends, nous, on est à Kidal. Et toi, tu dis que c'est une zone rebelle. Il dit, oui, c'est une zone rebelle. À Kidal, là, se trouvent des rebelles. C'est comme ça que leur séjour à Kidal. Un soir, on va les prendre. On va leur dire que
Et qui les prend? L'armée française qui était à Kidal. Ils les prennent et ils leur disent que l'ennemi est dans tel endroit. Il leur dit, l'ennemi est dans tel endroit. Et ils ciblent l'ennemi et ils envoient les éléments là-bas. Et il y a affrontement, des tirs partout. Et après les combats, en fait, dans les informations, eux, vous savez, ça fuite un peu. Dans les informations, eux, ils apprennent que ceux qu'ils ont attaqués là, sont des Fama. Donc, ceux qui les ont amenés là-bas, qui ont dit que ce sont des rebelles, en réalité, en fait, c'est eux qui sont du côté des rebelles et qui vont attaquer les Fama. Il dit, ça s'est passé une fois. La deuxième fois, ils sont allés encore, un soir, on les a pris. Ils sont allés dans un endroit. On dit, les rebelles sont dans un village. Ils sont allés et on leur a demandé de massacrer les rebelles, d'anéantir les rebelles. Dans le village, ils ont tiré dans le noir, là, la nuit, là. Ils ont tiré parce qu'on leur a montré les cibles. Ils ont tiré comme ils pouvaient. Et ce qui a maintenant attiré son attention, c'est que on les a fait revenir à la base. Et le lendemain, en journée, on leur fait porter la tenue militaire française. Regardez bien, on leur fait porter la tenue militaire française. Et puis on les ramène dans le village où ils sont quittés. Et ceux qui étaient leur chef d'unité, ceux qui étaient leur chef de section pour aller sur le terrain et tout, ils commencent à leur dire, ils commencent à parler avec les populations pour dire que voilà ce que les Dogons, c'est comme ça on les appelle les Intinis. Dites-moi, j'aimerais, voilà, je suis avec vous. C'est comme ça qu'on appelle l'Intini Dogon, non? Dogon. Que voici les Dogons qui sont venus tirer, tuer les Peuls. Non, que ce sont les Peuls, pardon. Ce sont les Peuls qui sont venus tuer les Dogons. Voilà ce qu'on leur dit, que ce sont les Peuls qui sont venus tuer les Dogons. Si il y a, dites-moi, voilà, si ce que je dis vous dit quelque chose, dites-moi si, voilà. Est-ce qu'il y a une ethnie au Mali qu'on appelle Dogon, Dogono? Ah, c'est Dogono. Dogono, voilà. Bon, Fofana Bakari dit, oui, c'est Dogon. Abdul Aïdara dit, c'est Dogono. Donc, c'est Dogono ou bien c'est Dogon? C'est Dogono ou bien c'est Dogon? Voilà, c'est Dogon. C'est Dogon. Belko Togo dit c'est Dogon. Il dit c'est bien ça. Je suis Dogon. Voilà. Donc ils disent aux Dogons que ce sont les Peuls qui sont allés tuer les Dogons. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on se comprend? Or, le jeune sait que, le jeune commando sait que, lui, il est parti dans cette zone-là. Et on leur a dit que c'était les ennemis qui étaient là, qu'il fallait les anéantir. Donc c'est eux qui ont tiré là-bas, c'est eux qui ont tué là-bas. Et puis matin, on les habille en militaires français. Donc ceux qui les voient là, ils voient que des militaires français qui arrivent dans leur village. En réalité, c'est eux qui étaient passés là la nuit. Et ils viennent dire aux populations
que ce sont les peuls qui sont venus les tuer. Maintenant, ils font la même chose chez les Dogons. Et cette fois, le jeune n'a pas été, on ne l'a pas mis dans le lot de ceux qui devaient aller attaquer là-bas. Donc ce jour-là, il n'est pas parti. Mais ses amis qui sont partis, quand ils sont revenus, ils ont dit qu'ils sont allés dans un village. Et là-bas aussi, on leur fait croire que ce sont les Dogons qui sont venus tuer les Peuls. On leur dit que les Dogons sont venus tuer les Peuls. C'est là que le jeune homme va comprendre qu'on les a amenés dans un truc. Il dit lui-même, il a trouvé des gens là-bas qui disent qu'ils sont militaires ivoiriens. Il y avait quelques militaires ivoiriens dedans, mais il y avait déjà des gens qu'ils ont recrutés. Ce sont des FSI, en tout cas des gens bizarres, qui n'étaient pas, en tout cas des vrais soldats, qui n'avaient pas, parce que les soldats entre eux, ils se connaissent. Voilà. En Cagnon-Rolo, on se connaît. Donc, quand ils ont vu le comportement de ces gens-là, il a compris qu'on l'a amené dans un guet-apens, on l'a amené dans quelque chose où il risque de laisser sa peau. Donc, ensemble, ils ont commencé à parler. Ils étaient au nombre de 22. 22 personnes. Ils étaient au nombre de 22. Qui se sont entendus qu'on les a menés dans un truc bizarre. On les a menés dans un truc bizarre. Donc, il fallait glisser. Quand ils ont essayé de parler de ça, c'est rentré dans l'oreille des traîtres qui étaient au milieu d'eux. Et les traîtres qui étaient au milieu d'eux, les vendus qui étaient au milieu d'eux, sont allés, ils ont commencé à les livrer. Ils ont commencé à dire, ah, il y en a qui sont en train de douter de l'opération qu'ils sont en train de mener ici à Kidal. Donc, eux, ils avaient un projet, de les 22 là, de les amener dans un coin. Et puis de les exécuter, et tous, de les allumer, et tous, les laisser là-bas. Vivants n'allaient pas sortir de là. Est-ce que vous comprenez? Et comme c'est un commando, il a compris. Il a compris que s'il ne glisse pas, s'il ne se cherche pas, c'est sa mort. Ils vont le tuer dans le désert là. Ils vont le laisser là-bas. Et puis ils vont dire à ses parents qu'il est allé pour un combat noble pour MINUSMA. Et puis ils l'ont tué au front. Donc prenez 1 million ou bien prenez 500 000. Et puis c'est fini. C'est comme ça. Militaire de Côte d'Ivoire. S'ils viennent te recruter pour dire d'aller dans MINUSMA ou bien je ne sais pas quoi. Là. Il faut que ça suive les procédures normales avant que tu t'engages. Il ne faut pas rentrer à cause de l'argent. Sinon, tu deviens le sacrifice. Tu deviens un sacrifice, c'est-à-dire tu deviens un objet de commerce. On t'utilise pour avoir l'argent. Parce que c'est de l'argent qu'on donne quand on vous amène là-bas. C'est l'argent qu'on leur donne. Et puis vous, sur le terrain, on vous utilise maintenant pour faire de la sale besogne de ces gens-là. C'est comme ça que lui et certains de ses amis, ils ont glissé. Ils sont sortis par l'Algérie et ils sont allés dans la nature. Voilà. Je n'ai pas vous dit exactement où ils sont. Ils ont glissé, ils sont allés dans la nature. Ils ont glissé, ils ont disparu. C'est ce témoignage-là qui rend pour sauver la vie de certains et pour dire aux Maliens, quand Choguel Maïga parlait, quand Abdoulaye Maïga parlait, il savait de quoi il parlait quand il accusait à la tribune de l'ONU que l'armée française, les Barkhane, ont été plusieurs fois surpris en train de faire des choses au Mali. C'était pas amusement, c'était pas de la blague. C'était la réalité. Ils avaient réellement des preuves.
Voici un témoignage. Voici un témoignage qui confirme que on utilisait ces jeunes-là pour pouvoir aller travailler à créer la fracture sociale, créer des troubles dans les ethnies Dogon Peul pour dire que là-bas, il y a un problème ethnique et que ce n'est pas le djihadisme ou bien ce n'est pas autre chose. Mais c'est un problème ethnique qui est au Mali. Ils ont voulu détourner le problème pour mettre ça en problème ethnique. Voici le témoignage d'un soldat, un commando qui a pu sortir de là-bas parce qu'il a compris qu'on l'amenait dans la mort. Qu'on l'amenait dans la mort. Il a compris ça et il a fui. Sa vie est en danger. Parmi les 22 qui sont sortis, il y en a un qui a été pris, dont je tais le nom ici. Je vais taire le nom et je vais dire, je vais pas dire dans quelles conditions la personne a été arrêtée pour ne pas qu'il sache. Je brûle les pistes parce que c'est une question de vie ou de mort, comme j'ai dit. Moi-même qui parle de ça, je ne suis pas en sécurité en parlant de ça. Parce qu'ils ne veulent pas de témoins. Ils ne veulent pas de témoins dans cette affaire. Où ils sont allés créer la dissension. Les dissensions, les problèmes. Et où ils sont allés créer des palabres entre ethnies. Ils ne veulent pas de témoins. Et d'autres ont perdu leur vie. D'autres ont perdu leur vie là-bas, à Kidal. Ils ont perdu leur vie à Kidal. Comme Dieu étant Dieu, Dieu l'a protégé pour sortir de Kidal. Passer en Algérie. Rentrer dans la nature. C'est pour cela que je dis que lorsqu'on arrêtait les gens au Mali, beaucoup étaient là en train de rencontrer leur vie pour dire non, ce sont des soldats de Côte d'Ivoire. Pourquoi tu es militaire, tu ne les soutiens pas? Ce sont des militaires. Ce qui prouve que tu n'es pas un vrai militaire parce que tu ne soutiens pas tes frères militaires. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas MINUSMA qui les a appelés. Eux, ils partaient là-bas comme des vigiles. Et on les utilisait pour faire autre chose. C'est pour cela que l'armée, les Maliens savent. Ils connaissent les militaires ivoiriens. Ils savent ceux qui sont des militaires ivoiriens. Ils connaissent ceux qui sont dans l'armée régulière. Comment ils ont suivi la procédure pour les ramener au Mali. Ils savent. Donc si ceux-là, ils ont mis la main sur eux, c'est parce que ceux-là ont été envoyés pour une autre mission que eux-mêmes ils ne savaient pas. Eux, on leur a dit, vous partez pour MINUSMA. Mais en réalité, arriver sur le terrain, parce que si tu sais ça, tu ne vas pas venir. On te propose de l'argent. On te dit, tu vas avoir telle somme. Prime de sortie du pays, prime de déplacement. On va te donner des primes. On va te donner une certaine somme. Quand toi-même, tu vas regarder ton salaire là, mais ta prime même seulement là. Toi-même, tu es content. Mais quand tu attends ça, tu as envie de partir. Et surtout quand on te dit que c'est une mission onusienne. Donc, tu es rassuré. Tu es rassuré. C'est comme ça qu'on rassure ses camarades et on les envoie là-bas. Mais eux, arrivés là-bas, ils ne savent pas la réelle mission. Ils ne savent pas pourquoi on les a amenés sur le terrain. Ils ne savent pas pourquoi. C'est là que Ouattara, le jour que les 49 sont rentrés, les 46 là, il dit vous avez accompli votre mission. Eux-mêmes ils savent. Et eux-mêmes ils sont étonnés parce que mission qu'on dit ils ont accompli là, c'est passé à l'aéroport ou en prison. Leur mission c'était d'être en prison ou bien c'était quoi leur mission? On dit ouais vous avez réussi votre mission. Donc c'était quoi leur mission? C'était la prison leur mission? Question. C'était la prison. Les amis, le direct attaqué.
Et le direct a attaqué. Le direct a attaqué. Le direct a attaqué. La mission, c'était quoi? On dit, vous avez réussi votre mission. C'était quoi la mission? Donc, il faut dire à ces militaires français, il faut dire à ces militaires français que le sieur Alassane Dramane Ouattara ne pourra plus utiliser nos soldats à des fins de missions suicides. Ils ne vont plus aller à des missions suicides. Il faut vous dire ça. Et puis vous, ce que vous allez faire dans les pays des gens, ce que vous allez faire dans le pays des gens, il faut arrêter ça. C'est le moment de changer votre manière de marcher dans les pays des gens. C'est le moment de changer ça. Je parle de la force Barkhane, je parle de l'armée française. Dans le pays des gens, dans les pays des Africains, changez votre manière de marcher si vous y êtes encore. Sinon, si vous ne changez pas votre manière de marcher, c'est comme ça le Mali va vous chasser. C'est comme ça le Burkina va vous chasser. C'est comme ça la Côte d'Ivoire va vous chasser. C'est comme ça le Sénégal va vous chasser. C'est comme ça la Guinée va vous chasser. C'est comme ça le Niger va vous chasser. C'est comme ça le Cameroun va vous chasser. C'est comme ça le Tchad va vous chasser. C'est comme ça le Centrafrique va vous chasser. C'est comme ça les pays africains vont vous chasser de partout où vous allez mettre les pieds. Si vous ne changez pas votre manière de marcher, il n'y a personne qui est anti-français. Il n'y a aucun sentiment anti-français. Les Français même sont nos amis. On a des amis français. On a beaucoup d'amis français. Mais votre politique française, là, si vous ne changez pas ça dans les pays africains, vous allez perdre de la cote et vous êtes en train de perdre de la cote. Au fur et à mesure que ça se passe, vous perdez de la cote. Et au lieu de vous ressaisir, au lieu de commencer à demander pardon, au lieu de dire, ah, vraiment, on a fait une erreur, vous continuez à vous satisfaire dans cette erreur. Vous pensez que vous allez effrayer quelqu'un, vous pensez que vous allez faire peur aux pays africains qui désormais ont compris. Allez-y écouter le discours de Poutine. Il a été applaudi par les Africains. Il a été applaudi. Demandez à vos renseignements généraux qui se sont transformés en Algériens pour être Africains afin de participer à ce sommet Afrique-Russie là. Allez-y leur demander qu'est-ce qu'ils ont entendu là-bas. Parce que nous, on sait que c'est ce que vous avez fait. Vous avez introduit des gens là-bas. Le français est devenu algérien. Le français est devenu malien. Le français est devenu guinéen. Le français est devenu africain. Et pour aller à ce sommet-là, pour écouter Poutine. Quand vous êtes parti, vous avez attendu Poutine, ce qu'il a dit. C'est ce qu'on attendait de vous. Ce n'est pas de venir nous donner. Comment vous appelez ça? L'aide au développement. Ce n'est pas ça qu'on attend en Afrique. L'aide au développement est résolue. Est révolue, pardon. C'est révolu. On ne veut pas d'aide au développement. Non, 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 non. On ne cherche pas votre aide au développement. Un partenariat gagnant-gagnant. Là où on fixe notre prix de nos matières premières. On fixe nos prix de nos matières premières. C'est ce partenariat-là. Les échanges de technologies, c'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtez vos histoires de on doit aider l'Afrique, on doit aider les Africains, on doit apporter l'aide au développement, on doit vous donner ça, on doit vous donner ça. Ça, là, nous, on a ça. Ce n'est pas de nous donner. C'est venir discuter maintenant. Voilà. Donc, je veux saluer ici ce jeune qui a témoigné et qui a sa vie entre les mains de Dieu parce que ils sont en train de les chercher. Dans la nature où ils sont passés, ils sont en train de les chercher parce qu'ils détiennent une certaine vérité, ils détiennent quelque chose qui s'est passé
quelque chose dans laquelle ils étaient acteurs. Donc, ils sont des sachants. Ils savent ce qui s'est passé. Donc, on évite qu'ils puissent témoigner. Mais ceux qui sont à Kidal, ceux qui sont au Mali, savent de quoi nous sommes en train de parler. Ils savent qu'il y a eu ça. Où on dit que les Dogons attaquent les Peuls, où on dit que les Peuls attaquent les Dogons. En réalité, c'est ceux qui étaient venus pour faire cesser le terrorisme, qui étaient en train d'encourager le terrorisme. Voici la vérité. Voici ce qui s'est passé. Je ne vais pas être plus long que ça pour vous permettre de pouvoir aller vaquer à vos occupations. J'avais voulu mettre un numéro pour que chacun puisse appeler, pour donner son avis, pour témoigner aussi si ce que j'ai dit là, le Malien qui est à Kidal ou dans les environs, Gao ou Tombouctou, vers là-bas, puisse témoigner pour dire si ce que nous venons de donner comme témoignage, ce n'est pas ce qui se passe sur le terrain. Beaucoup ont mon numéro. Celui qui veut, est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois permettre que quelqu'un appelle? Je ne sais pas. Donc, qu'est-ce que vous en pensez avant qu'on ne se laisse? Si vous voulez que certains Maliens puissent témoigner, puisque c'est eux qui sont là-bas. Appelez donc, si vous voulez témoigner. Vous avez mon numéro. Est-ce que vous voulez qu'on arrête là en même temps? Ou bien on continue un peu dans une histoire de témoignage. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. On laisse comme ça? Non, vous voulez pas que... Ouais, je laisse pas le numéro. On laisse comme ça. On coupe comme ça. Dites-moi. Dites-moi si on doit se laisser ou pas. De rajouter du temps. D'éviter les appels, d'accord. Donc SGA Anaké dit de rajouter du temps. Le responsable du comité des sages dit d'éviter les appels. Donc on va écouter le sage, hein? On va éviter les appels. Le témoignage est passé. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. N'oubliez pas, partagez ce direct partout où vous pouvez. Et dites aux autorités maliennes qu'elles avaient raison quand elles disaient qu'elles avaient plus de 50 preuves des violations de leur territoire. Et donc voilà. Merci à vous. Je suis le général Modibo Goïta Djidje Doboble Gbagbo Sankara Sékou Touré, Chekna La Gachette. Merci. Ciao. Bonne nuit. Il faut partager. Vous n'avez pas à quoi partager.